qui a payé, on va dire, la note. Hein. Tout est accompli, c'est-à-dire que tout est réglé quand il a payé sur la croix. Nous avons amené quelque chose qui nous a coûté, et nous vous le donnons. Amen. Et nous vous le donnons bon cœur. Donc s'il y en a parmi vous qui n'ont pas l'Évangile ou la Bible, et à vous adresser à votre pasteur Emmanuel, c'est un plaisir de vous donner la Bible ou l'Évangile si vous ne l'avez pas. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors je vais partager un texte avec vous. Ça se trouve dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Donc Paul dit ceci, 2 Corinthiens 3, et au verset, alors attendez, je vais mettre les lunettes, ça sera plus simple, il va qu'on s'aperçoit qu'on vieillit un peu. Amen. Voilà. Alors, la Paul écrit ceci, au verset 7, nous dit la loi gravée, lettre par lettre sur des pierres, ne pouvait conduire qu'à la mort. Et pourtant son ministère fut inauguré avec un tel déploiement de gloire que les enfants d'Israël ne pouvaient regarder Moïse en face, tant son visage était resplendissant. Cette gloire toutefois était bien éphémère et elle s'évanouissait vite. Si donc le ministère annonçant la mort a été entouré de gloire, comment celui qui communique l'Esprit divin n'en connaîtrait-il pas davantage? En effet, si un ministère qui juge et condamne les hommes a eu son éclat, combien plus glorieux est celui qui conduit les hommes à être déclaré juste par Dieu. On peut même dire que l'éclat de l'ancienne alliance pâlit et s'évanouit, complètement éclipsé par la gloire infiniment supérieure de la nouvelle. Car si un ordre transitoire a brillé d'un tel éclat, combien plus grande sera la splendeur de ce qui est destiné à demeurer éternellement. Cette espérance nous remplit de hardiesse, nous agissons avec assurance, parlant ouvertement et sans réserve, nous ne faisons pas comme Moïse qui couvrait son visage d'un voile, pour empêcher que les enfants d'Israël d'arrêter leur regard sur cet éclat passager et leur éviter d'en constater le caractère éphémère. Amen. Amen. Et au verset 17, il dit, le Seigneur dont il est question, donc chaque fois qu'une personne se tourne vers Dieu, au verset 16, le voile tombe, lorsqu'Israël se convertira, son bandeau lui sera enlevé. Le Seigneur dont il est question, c'est l'Esprit, car là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Amen. Amen. Frères et sœurs, si nous avons part à cette gloire, quand Dieu a créé Adam, il l'a formé à partir de la glaise, il l'a formé à partir de l'humus, de la terre, et il est dit qu'il a soufflé en lui, et l'homme est devenu une âme vivante. Amen. Notre problème, le problème d'Adam, c'est qu'il est devenu pécheur suite à la transgression. Il en avait qu'une seule transgression, c'était qu'il ne devait pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin, mais tenté par le serpent, Ève en a mangé, et l'homme aussi en a mangé par conséquent. Et en fait, le souffle de l'ennemi, le souffle que Dieu avait mis dans l'homme, il était pur, il était saint, et l'homme était pur ainsi devant Dieu. Mais quand il a écouté la voix de l'ennemi, il s'est retrouvé, il a écouté cette voix, et cette voix lui a soufflé autre chose que la parole de Dieu. Et il a écouté cette voix, et à cause de cela, il est tombé dans le péché, et le péché, malheureusement, nous a fait partir loin de la face de Dieu. Et c'est ainsi, ça a été, et c'est toujours ainsi, l'homme naît pécheur, nous naissons pécheurs, c'est pas une question de, parce que nous avons fait des actes forcément pécheurs, mais c'est parce que c'est comme cela, nous sommes de notre naissance, nous naissons pécheurs. Et Dieu, dans sa grâce, eh bien, nous a suscité un sauveur pour que nous puissions, eh bien, en croyant en lui, il vient nous donner un souffle nouveau, Jésus,
vient pour payer notre dette au prix du sang, au prix de son sang. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, je ne sais pas si tout le monde a fait la paix avec Dieu ici dans cette salle. En tout cas, s'il y en a qui n'ont pas fait la paix avec Dieu, j'espère que je voudrais que vous inciter effectivement ce soir à faire cette paix, à vous réconcilier avec le Seigneur. Dieu vous aime et il l'a manifesté. Il l'a manifesté en Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et ce Fils a payé pour nous, pour que par son sang, eh bien, le péché soit expié. Nous, ça ne nous coûte rien, effectivement. Ça nous coûte simplement d'accepter, par la foi, de croire que ce sacrifice est pour nous. Et ce sacrifice qui était prévu pour Israël uniquement, eh bien, il s'est étendu à toutes les nations. Et bien sûr, naturellement, même au Cameroun, bien sûr, à l'Afrique, et pour l'Amérique, pour toute la terre, ce sacrifice aujourd'hui est en mesure de sauver tous les hommes. Dieu veut sauver tous les hommes, il veut qu'ils viennent dans sa gloire avec lui. Il y a le témoignage de ce frère qui s'appelle Jean-Baptiste Malenka, c'est un frère du Gabon. Et en fait, lui, quand il était jeune, il a fait une expérience personnelle avec Jésus. Il a eu une vision du Seigneur et le Seigneur lui a dit qu'il viendrait, qu'il l'appellerait à son service. Et il est allé annoncer ça tout content à son père et à ses frères. Et ses frères lui ont dit, mais qu'est-ce que tu racontes là? Et puis ils l'ont battu. Il avait 8 ans à l'époque et évidemment ça l'a un petit peu refroidi dans son ardeur. Et il a laissé ça un petit peu de côté. Et puis, vers l'âge de 18 ans, un jour, il était dans une certaine ville du Gabon et il y avait le sous-préfet qui cherchait un chauffeur. Et cet homme lui dit, il passait par là, il lui dit, écoute, viens, tu vas être mon chauffeur, tu m'amènes à telle ville qui est à plus de 400 km. Et donc il est parti, il a fait le chauffeur pour ce sous-préfet. Et dans le parcours, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un orage, comme il peut y en avoir, vous les connaissez, comme il y en a eu cette nuit, il y a eu un très fort orage, et ce frère a perdu le contrôle du véhicule, et le véhicule est tombé en contrebas, au passage d'une rivière, et ce frère est mort, en fait. Et il raconte que quand il est mort, le sous-préfet a voulu sortir du véhicule, il est mort écrasé par le véhicule. Et lui, donc, après, il est resté dans le véhicule, mais il est tombé en contrebas dans l'eau, et le véhicule est resté sous l'eau pendant près de 6 heures avant que les secours viennent pour le dégager. Et ce qui se passe, c'est que lui, il n'a pas réalisé qu'il était mort, en fait. Et il pensait qu'il était toujours vivant, il voyait son corps sous l'eau, plein de sang, et puis il est sorti pour essayer de trouver des secours. Les villageois sont venus, effectivement, et lui, il a essayé de rentrer en contact avec eux. Et impossible, puisqu'il était mort, il n'était plus que ce souffle, il n'était plus que cet esprit. Et malgré tous ses efforts, il criait aux gens, mais les gens ne l'entendaient pas, ils ne le voyaient pas. Et quand il a essayé d'arrêter une dame qui était devant lui, hop, son bras est passé au travers de la dame. Et là, il a réalisé qu'effectivement, n'étant plus dans son corps, il n'avait plus la possibilité d'entrer en contact avec le monde des vivants ici sur la terre. Et ce faisant, donc il y a le sous-préfet qui est revenu vers lui, qui lui dit, mais Jean-Baptiste, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien il lui dit, nous avons un accident, nous sommes morts. Mais comment ça, nous sommes morts? Ben oui, nous sommes morts, regarde, nous ne pouvons plus, mais c'est pas possible. Et là, le sous-préfet se met à prier, mais Seigneur, fais remonter le temps. Et parce que j'ai encore ma femme, elle va être malheureuse avec ses frères, etc. Et finalement, ils étaient à 10 mètres l'un de l'autre, et à un moment donné, la terre a tremblé, et il y a eu, à partir du sol, il y a eu deux sortes d'êtres, des êtres comme des pires que des Goliaths, qui sont venus, qui ont entraîné cet homme dans les profondeurs de la terre. Alors il a entendu crier cet homme qui,
qui descendait dans les profondeurs de la terre. Et lui, il s'est dit, mais la prochaine fois, c'est sûr, ils vont venir me chercher, c'est pour moi. Et puis, il ne s'est rien passé. Et les secours sont venus, ils ont ressorti le véhicule, et ils l'ont amené vers à l'hôpital. Là, à l'hôpital, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, il a vu une lumière qui venait vers lui. Et cette lumière, il a été attiré par cette lumière. Et quand il a vu cette lumière, ça fait vivre même les brins d'herbe. Et même l'herbe qui était autour de lui louait le Seigneur. Et donc il est parti comme cela. Il est rentré dans la Jérusalem céleste. Il a vu le Seigneur. Et le Seigneur lui a dit qu'il allait devoir revenir. Parce qu'il n'avait pas fini son temps sur la terre. Et donc plus de 24 heures après, pratiquement 24 heures après, avec le Seigneur, ils sont revenus dans cet hôpital où il y avait son corps qui attendait, et il lui a ordonné de revenir à la vie, et lui ne voulait pas, il disait non Seigneur, je veux rester avec toi, je suis mieux avec toi, et merci, je suis mieux avec toi, et le Seigneur lui a dit non, il faut que tu reviennes dans ton corps. Et malgré toutes ses supplications, il n'a pas pu résister. Le Seigneur lui a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Et là, il est revenu dans son corps. C'était douloureux, mais il est revenu à la vie. Et aujourd'hui, c'est un homme, effectivement, c'est un serviteur de Dieu qui a, je crois, 13 églises, une église à Washington, enfin bon, qui a un ministère que le Seigneur a béni. Mais il a fallu qu'il passe par une expérience, il y a eu la bénédiction du Seigneur, mais tout ça pour nous prouver que c'est quelque chose de réel, frère. Amen. Nous sommes confrontés à une réalité, et il a demandé au Seigneur pour ce sous-préfet, mais Seigneur, est-ce qu'il ne te connaissait pas? Si, plusieurs fois, je suis venu à lui pendant la nuit, mais il m'a toujours rejeté. Et là, en fait, je ne peux plus rien pour lui. Vous voyez, frères et sœurs, tant que nous sommes vivants, tant que nous sommes sur la terre, nous avons le choix, nous pouvons choisir la vie ou nous pouvons choisir la mort. Nous pouvons choisir Jésus ou nous pouvons choisir le monde. Nous pouvons choisir la voie de Dieu ou nous pouvons choisir la voie du diable. Le diable, il viendra toujours, effectivement, essayer de nous... parce que... Il y a cette chair, on est dans un corps de chair, un corps qui est soumis à la faiblesse. Mais Dieu qui nous aime nous permet de vivre une vie nouvelle en Jésus-Christ. Et par sa grâce, il nous aide à vivre cette vie nouvelle, si nous le désirons, si nous le cherchons de tout notre cœur, nous le trouverons, bien-aimés. Et... je souhaite qu'en tout cas, il vous bénisse encore en ce soir, qu'il vous accorde sa grâce, sa bénédiction, qu'il vous entoure de ses bras. Et c'est notre souhait, c'est notre désir, c'est que vous soyez vraiment bénis, qu'il y ait cette présence en vous. La croix, ça a été une épreuve pour le Seigneur, ça a été... Par ce moyen que nous sommes sauvés, ça a été 6 heures d'agonie pour le Seigneur. Et pourtant, nous pouvons puiser dans ce sacrifice. Nous pouvons puiser les ressources nécessaires. Dans le livre de l'Apocalypse, le témoignage des rachetés, c'est qu'ils l'ont vaincu à cause... du sang et de la parole de leur témoignage. Bien-aimés, nous avons le sang qui parle en notre faveur et nous avons la parole du témoignage de Jésus en nous. Merci, merci Seigneur pour ce sang qui a coulé, qui aujourd'hui est encore favorable, qui parle mieux que celui du sang d'Abel. Le sang d'Abel, il crie vengeance, vengeance. Le sang de Jésus, c'est grâce, grâce, grâce. Aujourd'hui, encore est un temps de grâce. Et que le Seigneur aujourd'hui vous fasse grâce. Et qu'il vous bénisse. Oui, frères et sœurs, nous sommes dans des temps qui sont des temps qui étaient annoncés, qui sont certes difficiles, mais il y a cette joie, il y a ce bonheur de le connaître. Son amour est véritable en nous, il nous...
il nous console aussi de nos difficultés, de tout ce que nous pouvons endurer dans nos vies, frères et sœurs. Et si nous persévérons jusqu'à la fin, il nous accueillera. Il nous accueillera dans sa patrie céleste. Il y avait un homme qui s'appelle, et ça c'est l'Église, oui, l'Église elle est née du côté de Jésus qui a été percé. Il y a eu le côté, quand il était sur la croix, il avait la couronne d'épines, mais il y a eu ce côté qui a été percé. L'Église est née de ce côté. Elle est née de ce côté où le sang, l'eau et le sang a jailli. Et c'est par ce côté, comme de la même façon que Dieu, quand il a fait la femme, eh bien, il a pris une côte, il a endormi l'homme, il a fait tomber dans un profond sommeil, il a pris une côte, et de cette côte, il a formé la femme. Et Christ, il est venu, non pas, bien sûr, il y a, dans le monde, on dit, oh, mais c'est pas possible, Jésus, il a dû avoir une femme, non, c'est faux. Jésus, il est venu sur la terre, non pas pour une femme, oui, pas pour une femme terrestre, charnelle, mais il avait en vue quelque chose de beaucoup plus grand, il avait en vue l'Église. Or, nous sommes son corps, nous sommes les membres de son corps. Et cette Église qu'il chérit, et qu'il nourrit, et c'est elle qu'il aime. Et nous attendons à lui, nous attendons son retour, bien-aimé. Nous attendons qu'il vienne, soit qu'il vienne nous chercher, peut-être que nous verrons, je ne sais pas, peut-être que nous sommes la génération qui verra le retour de Jésus. Et il nous entraînera avec lui dans les nuées du ciel, et nous serons pour toujours avec lui. Mais peut-être que nous endormirons, et puis notre esprit sera recueilli auprès du Seigneur. Le Seigneur nous reprendra avec lui, et nous serons pour toujours aussi avec lui, même si nous sommes déjà avec lui, bien-aimés. Pour l'Église, comme disait Jean-Georges, c'est pas simplement un bâtiment, mais l'Église, c'est vraiment, elle est composée de pierres vivantes, elle est composée de vous tous qui êtes là aujourd'hui, de ceux qui sont partout rassemblés en son nom. Le Seigneur connaît les siens, il sait ceux qui l'appellent. Il connaît les cœurs, il connaît les cœurs de chacun. Voilà, c'est comme ça. C'est le Seigneur. Il nous pèse, il sait ce que nous valons pour lui. Et vous savez, il y a un serviteur de Dieu qui s'appelle Ovefag, c'est un serviteur de Dieu d'origine danoise. Et cet homme, lorsqu'il était jeune, il était au Danemark et il se rendait à vélo vers une ville. Et à un moment donné, alors il était tout heureux, c'était dans les années 20, il était tout heureux, il circulait à vélo, il chantait en langue, il priait, et tout d'un coup il y a eu des chants qui l'ont rattrapé, et il s'est senti comme soulevé. Et puis il continuait à pédaler. Et à un moment donné, il y a une voix qui lui dit, mais regarde en bas. Alors il a regardé en bas et il a vu un grand bâtiment en forme de croix. Et sur cette croix, si vous voulez, il y avait, donc sur une partie de la croix, sur un des montants, il y avait écrit Église catholique, et sur l'autre montant, il était écrit Église protestante. Et puis, ce bâtiment était composé de cellules, dans lesquelles les gens se retrouvaient et puis confessaient chacun leurs particularités. Les églises évangéliques, les églises baptistes, luthériennes, presbytériennes, etc., etc., tout ce que l'on peut connaître comme mouvement. Et donc il y avait les particularités des églises catholiques et protestantes. Et puis plus loin, après, la vision change, il voit une prairie avec des brebis qui sont en train de paître. Et ces brebis qui paissent dans une brebis verdoyante avec un cours d'eau,
avec des bosquets, des arbres, et c'est magnifique, avec des champs qui entourent, qui les entourent. Et voilà, il voit le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Bien-aimé, Jésus a donné sa vie pour que chacun de nous, nous ayons part à la gloire, à la paix, à la joie du Seigneur, avec les difficultés ici-bas, avec, bien sûr, nous connaissons le Nigeria, c'est pas très loin d'ici. C'est pas loin. C'est pas loin. Vous voyez, le Nigeria, c'est pas très loin. Donc, il y a une ville, je ne me rappelle plus le nom de cette ville, il y a une ville qui a eu, il y avait 200 églises, les 200 églises ont été détruites. Les femmes, ont été malheureusement violées, ça a été terrible pour nos frères. Et nos frères vraiment prient pour, si vous voulez, les jeunes, ils ont du mal à vivre ça parce qu'ils se disent, mais on veut en découdre, nous on veut répondre à la violence par la violence, à l'attaque en attaquant aussi. Et ils demandent à ce qu'on prie pour eux en disant, mais nous avons, Dieu dit dans sa parole, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et c'est pas facile, parce que c'est une épreuve qui est difficile. Eux aussi se disent, mais Seigneur, pourquoi tu laisses ton peuple périr de la sorte? Nous n'avons pas toujours la réponse. C'est des choses qui se passent ainsi. Mais notre foi, frères et sœurs, notre destinée, elle n'est pas sur la terre. Elle est vraiment avec le Seigneur Jésus. Elle est vraiment d'être près de lui. Et voilà, il y avait cette sœur, vous savez, qui un jour allait à une réunion, elle se retrouve face à un soldat, et le soldat lui dit, mais où tu vas? Et elle dit, ben, je vais à l'église, je vais louer mon Seigneur. Et ben, si tu y vas, je te tue. Ben, elle dit, ben, c'est bien. Comme ça, ben, au moins, je louerai le Seigneur, je serai avec lui dans le ciel. J'aurai plus besoin d'aller à l'église, mais au moins je serai avec lui. Et puis, devant la foi de cette femme, devant sa hardiesse, ce soldat l'a laissé passer. Il lui a rien fait. Amen. Voilà. Je voulais vous encourager parce que on ne sait pas ce que l'avenir nous prépare. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Mais Dieu nous aide. Son Fils, il nous l'a donné, c'est la réalité. Vous savez, vous croyez que Jules César a existé, eh bien, il y a moins de preuves qui approuvent que Jules César a existé que Jésus-Christ était bien existé. Donc, oui, amen, Jésus, il est vivant, il a remporté la victoire. Il a remporté la victoire sur la mort. Il a payé ce prix que nul ne pouvait payer. Il a fait ce que nul ne pouvait faire. Il nous a donné cette vie. Et je veux que vous soyez bénis encore en ce soir. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes, alors on va baisser la tête, et puis s'il y a des gens qui... On priera après pour ceux qui, avec Jean-Georges, et puis le frère Emmanuel, on priera pour ceux qui ont des besoins, qui s'attendent à Dieu dans leurs besoins, qu'ils soient spirituels, que ce soit quelles que soient les réponses que vous souhaitez avoir de la part de Dieu, eh bien on priera pour vous, pour que Dieu vous accorde ces réponses. Amen. Et puis ce soir, je ne sais pas, est-ce que parmi vous, il y en a qui n'ont jamais fait la paix avec le Seigneur, et qui souhaiteraient maintenant dire, ok Seigneur, je sais, j'ai pas l'assurance d'être avec toi. Si je meurs cette nuit, j'ai pas l'assurance d'être avec toi. Mais je veux vraiment avoir cette assurance. Je veux vraiment que maintenant tu me donnes cette assurance. Parce que là ce soir, certains voudraient, eh bien il suffit simplement que vous leviez la main, et puis on priera aussi pour vous. Voilà. Non, tout le monde est assuré. Il y a de l'assurance pour chacun. Amen. Soyez bénis. Que le
Le Dieu de paix vous garde dans sa paix. Amen. Voilà, et puis maintenant ceux qui désirent que l'on prie pour eux, bien écoutez, on se met à votre disposition, on va prier pour vous, quel que soit le problème que vous vivez, et on demandera à Dieu qu'il exauce. Amen. Voilà, bien écoutez, sentez-vous libre, rapprochez-vous. Bon, donc s'il y a des malades, s'il y a des gens qui sont condamnés par la médecine, nous croyons que Jésus est le même, il n'a pas changé. Il guérit, il va au-delà de la médecine, le Dieu de l'impossible. Alléluia. Donc tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit, nous l'écriture. Et l'évangile, ce n'est pas que des discours, c'est une démonstration de puissance de l'esprit. Alléluia. Nous ne sommes pas contre la médecine. Mais Jésus n'a jamais dit aux gens d'aller vers les médecins. Les médecins, c'est quoi? C'est le résultat de la coupure que l'homme a eue avec Dieu. Quand les hommes ont été séparés du Seigneur, ils ont cherché des moyens pour pouvoir être soignés, pour pouvoir être guéris. C'est pourquoi ils ont développé la médecine. Même du temps de Jésus, la médecine était développée comme chez les Égyptiens, les Grecs. Mais Jésus n'a jamais demandé aux gens d'avoir le tout, mais il y a des gens qui passent aussi près du niveau de foi. La façon de la foi de l'un des autres. Mais nous savons que notre guérison ne se trouve pas dans le doliprane, notre guérison ne se trouve pas dans la vaccine, la chimie, notre guérison, travers les années 53, se trouve dans les maîtres sûres du Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Donc, vous allez avancer. Et nous allons prier. Pour inviter les missionnaires, donc le frère Emmanuel va se reposer un tout petit peu. Le frère Emmanuel va se reposer et je vais inviter que les missionnaires viennent pour payer. Marie-Thérèse, s'il te plaît, tu peux venir. François, on va prier pour les malades. Gloire à Dieu. Pour les hommes, nous nous traversons les villes. L'univers, l'instant, chantons gloire et puissance, ouvre l'ange à la gloire, à la gloire. Oh,
Alors il en a parlé à des frères qui lui ont dit, écoute frère, cette vision, elle vient bien de Dieu. Mais ce n'est pas le moment de la donner. Parce qu'à l'époque, c'était en 1920, et quand il l'a donné, c'était en 1971. Donc vous voyez qu'il a attendu un certain temps avant de donner cette vision. Pour qu'elle soit reçue, en fait, parce qu'elle n'aurait pas été reçue en 1920. Parce que quand le Seigneur lui a dit, est-ce que cette vision s'adresse à l'Église aujourd'hui? Et que le Seigneur lui a dit oui, mais alors Seigneur, je vais aller où? Dans quelle église? C'était la question, et le Seigneur lui a quand même permis d'aller en Côte à l'époque. Ça, c'était à l'époque, en 1920. Les choses ont évolué depuis. Et ça, c'est un petit peu le problème. Je suis. Et dans la vision aussi, le Seigneur qui disait sur les brebis qui étaient dans l'herbe et qui étaient en.